entendus ces cris, pleurs. Voici un texte venu du corps. Même sous la torture, vous restez fiers. Jamais, jamais vous baissez les genoux à terre face aux colonisateurs. Dans notre corps restera gravé à jamais un éternel espoir. Victoire à nous. Que pensez-vous de l'interdiction de ce rassemblement? L'interdiction, elle est juste coûteuse, mais au titre même plus national, parce que dans les autres villes de France, elle est bien évidemment autorisée par toutes les préfectures de police, mais elle est même honteuse au niveau international. Sachez qu'elles ont été autorisées en Suède, en Allemagne, en Autriche, en Birmanie, en Russie. Même les manifestants ont pu exprimer leur solidarité au peuple gazaoui. Et même, je vais vous étonner, mais même en Israël, on autorise les manifestants qui sont là pour un cessez-le-feu et soutenir le peuple gazaoui à manifester. Maintenant, on est allé, je pense qu'on est dépassé de loin la soumission de notre gouvernement au peuple sioniste. Mais voilà, le peuple s'en rappellera. En tout cas, les Français s'en souviendront. Alors, ça c'est pour moi, j'ai un ami qui s'appelle Ziad Madouk, qui est à Gaza. Ah, qu'on soutient le peuple palestinien qui souffre, que malgré qu'on nous interdise d'être ici, qu'on soit loin, etc. C'est plus pour nous, nous qui sommes françaises et musulmanes, c'est plus une question de religion là, c'est une question d'humanité. On est là, on vous soutient, on pense à vous et vraiment... Et on vous envoie toutes nos douas et toute notre aide, toute notre... Si on pouvait faire plus, c'est vraiment plus. Et voilà, bravo pour votre courage. Nous, c'est rien ce qu'on fait. On pense à vous tout le temps et Inch'Allah, la libération est proche. Voilà, c'est pour toi, mon ami et frère Ziad Madouk, de la part des jeunes citoyens français qui sont de votre côté. Puis Inch'Allah, comme tu dis toi toujours, la Palestine résiste, la Palestine elle vaincra. Et vous baissez pas le bras, je sais que vous êtes courageux et Inch'Allah on se verra à Paris si
si le ciel, comment dire, la prison ou comment dire, la prison à ciel ouvert, ils vous permettent de sortir de cette situation. Une fois, pour la énième fois, je me retrouve dans un rassemblement qui a été interdit par la préfecture, par le président Hollande. Ils sont là pour vous prouver quand même que la France, elle est devenue un département de sionistes israéliens. Mais je pense qu'ils vont le payer aussi cher, parce que la dernière fois aux élections municipales, ils ont déjà perdu pas mal. Et aux prochaines élections, les dites français et immigrés, ils vont encore le payer cher. Mais je pense que ce n'est pas avec ça qu'ils vont, nous empêcher de manifester pour le soutien à Gaza. Parce que le peuple Gaza, il en souffre depuis 60 ans. Et encore là, il y a presque plus que 900 personnes qui ont été assassinées. Et ça continue encore. Et la France, comme les Américains, ils sont toujours un soutien à Israël. Et puis, tous les peuples, ils ne vont pas laisser passer ce crime humanitaire. Et un jour, Inch'Allah, les sionistes, ils passeront en justice. Vive la Palestine. La Palestine, Inch'Allah, un jour, elle vaincra. Voilà. J'appelle à tous les peuples à se mobiliser, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans tous les pays, à se mobiliser encore et encore, sans oublier boycott produits israéliens, boycott SFR, parce que j'ai appris que le patron qui a acheté SFR, c'est un militant sioniste. Moi, j'ai déjà commencé, j'ai résilié mon contrat et j'espère beaucoup de monde feront pareil. Merci. Je suis ici parce que je soutiens le peuple palestinien contre l'attaque qu'ils subissent depuis 60 ans, mais plus particulièrement depuis deux semaines. Je m'oppose à l'interdiction qui a été faite par le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, parce que je pense qu'on a le droit d'exprimer son soutien à un peuple qui est en train de se faire massacrer. Et je suis venue avec mon écharpe d'élu parce que je pense que beaucoup de Français s'oppose à cette attaque israélienne et à la position du gouvernement français, et j'estime que les élus doivent représenter ceux qui ont voté pour eux. Voilà. Merci. On s'assoit, Palestine, on s'assoit, Palestine, on s'assoit, Palestine, on bouge moins, Palestine, on s'assoit, Palestine, on bouge moins, Israël, assassin, Hollande, complice, 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 Israël, assassin, Hollande, tardi. Avant tout pour soutenir les Palestiniens, et ce n'est pas une raison pour qu'on interdise, une manifestation. Ils peuvent toujours interdire, mais vu le nombre de morts et vu le massacre, je crois que la moindre des choses, c'est de braver cette interdiction et être présent en masse. On peut toujours, bien sûr, il y a toujours un petit danger, mais bon. Par rapport à ce qu'il y a en Palestine, les gens ils dorment, ils ne peuvent pas dormir, toute la journée c'est les bombardements. Avec un petit risque, je crois que tout le monde doit le... Pour sauver la Palestine, pour dénoncer ce qui se passe en Palestine, pour dénoncer Et bon, qu'est-ce que vous pensez de Hollande pour l'interdiction de cette manifestation? Il ferme les yeux, il soutient les terroristes et les criminels. Alors qu'il doit c'est plutôt la Palestine qui devrait soutenir. With ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We
we will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong and right. But the powers were in vain. And the bombs fell down like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, I could still hear their voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Samedi 26 juillet 2014, un jour, sans aucun doute, que l'histoire de France retiendra dans ses annales, parce que les Français, les citoyens français, les électeurs français ont dit non à l'asservissement, ont dit non à la tyrannie eh bien, gouvernementale qui a empêcher la libre expression aujourd'hui en France. Je rappelle que partout ailleurs dans le monde, je dis bien partout ailleurs dans le monde, les citoyens, eh bien, sont en plus se réunir en toute liberté. Je dis bien en toute liberté. فلسطيني نقصت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني تبث النار في روحي وتنبض في شراييني جبال النهر تعرفني مغامرها وتدريني بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني ورايتي التي طويت على ربوات حصيني وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتعجب بالملايين تقول لهم إلى القدس إلي قبلة الدين إلى حرب تدك الظلم تطلق روح صهيوني إلى حرب تدك الظلم تطلق روح صهيوني وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني وتهجر كلمتي تمضي فلسطيني